Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est la partie sur un épisode sur Diablo 2, Lord of Destruction, et aujourd'hui nous allons continuer notre assassin. Donc on s'était arrêté la dernière fois, nous avions effectué la partie sans trop de problèmes. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien l'acte 2, hein. Donc nous avons, pour le moment j'ai fini le playthrough de l'ensorceleuse, du nécromancien, et donc on passe à l'assassin. Donc ouais, on avait tout. Donc comme je vous l'ai dit plusieurs fois, l'assassin est un personnage qui est pour moi relativement fort. Et si vous n'avez pas l'habitude, vous ne connaissez pas très bien le jeu, l'assassin est vraiment le personnage que vous devez jouer. Parce que c'est un personnage qui nécessite, si on n'avance pas trop vite, c'est un personnage avec lequel ça se passe plutôt bien. Oups, non, je ne vais pas du tout le lancer. Nous sommes niveau 14 et nous avons quelques stats. Bon. Comme vous pouvez le voir, on se démerde plutôt bien. On se démerde plutôt bien, pardon. Et d'autant plus que c'est un personnage qui permet de bien farm, qui est fun à jouer. Enfin, bref, vous avez que de bonnes raisons pour y jouer. Du moins pour l'essayer. Donc là, moi je passe un peu tout ça parce que voilà, c'est surfait ces ennemis. Là, donc vous voyez, vous posez un piège, puis après on se barre. Tout crève, littéralement. Donc le mode normal pour l'assassin, c'est vraiment. C'est une bagatelle, hein. C'est vraiment pas ce qui est compliqué. Ce qui a commencé à être vraiment amusant, c'est le mode. Plutôt cauchemar, fin cauchemar, début enfer, c'est là que ça a vraiment commencé à avoir plus de challenge. C'est beaucoup plus fun, quoi. L'XP, ça fait toujours plaisir. Oups. On améliore toujours notre trappe. Je garde toujours à trouver radamant. Chaque fois que je me plante, je parcours beaucoup trop cette crotte pour le trouver. Oh, il y a du people. Eh ben, il n'y en aura bientôt plus. Allez, je prends un truc de ma main, parce que XP, il serait parti. Ouais, c'est vite. Il me semble que ça doit durer à peu près 2 minutes, quelque chose de genre. C'est vraiment. C'est un shrine très court. Et ça donne plus de 50% d'XP. Enfin, je crois. Hein. C'est à peu près. Donc, on a effectué toute la grotte. Et il était là. Comme vous pouvez voir, peut-être à plus. Hein. Hop, pom, pom, pom. Et voilà, c'était Radamant. Vite fait, bien fait, on retourne à la maison. Et donc, toujours fait Radamant, parce que. Nous, les potions, le coût des potions sont divisé par deux, il me semble, à peu près, ou c'est même par deux. Qui est franchement, franchement cool. Là, je vais les garder. Ce qui a toujours nous coûté cher, ce sont les potions, comme vous pouvez le voir, hein, ça coûte la blinde. Donc, on a gagné encore un nouveau point. Et donc, puisqu'on ne peut pas le mettre dans Wake of Fire, ce qu'on va souvent faire, c'est les points qu'on gagne.
Bah, on va plutôt les mettre en Burst of Speed. Pour le moment. Parce qu'il faut en mettre quelques-uns, parce que plus on en met, plus c'est safe, dans le sens plus on pose vite nos pièges. Et donc plus vite on pose nos pièges, plus vite on court, etc. Ça nous donne vraiment beaucoup plus de mobilité finalement. Ça, faut pas négliger ce sort. Hop. Ouais, vraiment, hein. Hop, on pose un piège, on attend un peu, puis on se barre, de toute façon, il finira. Hop, il tombe, hein. C'est vraiment un endroit complètement inutilisé que personne n'a utilisé. Il y a un monstre super unique devant, c'est un monstre qui est toujours là. Mais personne ne farm, malheureusement. Alors, nous devons chercher le cube au radin. Donc ce genre de truc, je les prends tout simplement parce que ça vaut cher. Là, je regrette d'avoir pris autant de potions. Ça vaut rien. Hop, toujours en vita. Hein. La vitalité, c'est la santé, comme on dit. Et d'ailleurs, il faudra que je renomme aussi mon stream. Parce que ça ne coïncide pas du tout avec ce que je fais. Donc là, nous avons l'oasis lointaine. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut pour le moment. Une tire, je n'ai pas besoin. On m'enlève toujours la musique aussi. Parfait. Donc là, il me semble, si je dis pas de bêtises, alors je ne sais jamais trop, je pense que ça doit être là. Pifomètre. Parce que ça doit être à gauche. Un peu les... Ouais, non, c'est plus fenêtre. Pifomètre réussi. ça doit être parce que c'est à gauche. Hop. Donc là, à la gauche, je sais pas trop où est-ce que c'est. On va tout essayer. De toute façon, ce qu'il faut essayer, c'est toujours partir soit plus à droite, plus à gauche, si tu as voulu. Trois possibilités, ne jamais prendre celle du milieu. Ça, c'est rarement la bonne. C'est pas ici. On va voir si je vous dis des conneries ou pas ici. Ah bah oui, comme quoi, moi j'ai rien vu. Je connais pas assez cet endroit. Donc, de toute façon, c'est pas un endroit où on ferme beaucoup ici. On prend le cube Radrim et on se casse. D'ailleurs, ça, le cube Radrim, si vous jouez en multijoueur, il n'est même pas. Vous pouvez le dropper directement avec les membres du conseil. Vous n'êtes même pas obligé d'essayer de le farm. Vous pouvez tout simplement aller au conseil à l'acte 3. Je vous en donne un si. Ils en drop un si vous n'en avez pas. Comme vous pouvez voir, cette balade. Ah, il y a un loquet. Ah, par contre, je crois qu'on m'a mis un poison fort. Là. Je suis un poison, je sais pas. Oh, c'est pas grave, je résiste un peu. Eh, c'est pas le coffre. Dommage. On a à notre niveau 17. Niveau 17, on aura un premier mort unique, second, qui va nous permettre
de courir plus vite. Allez. Ah ouais, littéralement, je... premier pélo que je tue, je vais le... Et le petit boss. Hop, et bah tu vas quand même le faire. Oh, bien. Regarde donc ça de près. Pasteurise Rockery. Oh, Lightning Raise 20%. Bien. Oh, sérieux. C'est pas trop mal. Hein. Nos bots, ça, là, elles sont cool. Alors, 4000. M'étonne que ça vaille rien. Not here. Welcome to my shop. Niveau 17. Et bah, je vais le prendre avec moi parce que je vais sûrement passer niveau 17 si peu de temps. Là, je me rends compte, hein, les assassins, c'est vraiment fun à jouer. Un personnage qui est rapide, qui claire vite, qui ferme vite. Oh, un personnage agréable à jouer. Surtout feu. Dommage qu'on puisse pas jouer feu aussi longtemps qu'on le puisse, hein, à cause des insensibilités. Oh nice! C'est-à-dire que si on trouve le trou du verre, on pourra revenir directement ici, ce qui nous évitera de le parcourir à l'envers. Plus qu'espérer que le trou du verre soit pas trop loin. Donc le trou du verre, ça va être. Mais le... Alors, on se souvient. Il me semble qu'il faut toujours. Ou essayer du moins. D'aller toujours à droite. Ce qu'on va essayer de faire. Alors, les clés, j'en ai. Voilà. Toujours à droite. Donc là, on va pas pouvoir utiliser nos pièges. Sauf ici. Hein. Et là, on est obligé de jouer comme ça. C'est là que je me dis qu'il y a cette potion de santé. On verra bien. Ah, j'ai pas cette place, j'en aurai bientôt cette place. Oups. Excusez-moi. C'est peu ici. Ah bah ça a l'air. Ça a pas l'air d'être ici. On va appuyer. Quand je vous dis qu'on va bientôt passer niveau 17, ça monte vite quand même. Par contre, mes positions descendent vite aussi. Oh, un ring. Invasion, nice.
Et donc, pour faire du verre, ce qui est très dur, c'est en enfer, parce qu'en enfer, on peut rien faire. On se TP juste. On espère que ça se passe bien. Parfait, donc c'est toujours à droite, hein, comme je vous l'ai dit. Enfin, on dirait que c'est toujours à droite. Hein. Un mec qui va trop fouiller ce père du verre. Alors là, on sait que c'est tout droit. Après, comment exactement? Ici. Et c'est parti. Ah. Allez, clinez-moi tout ça, les trappes. Donc on se repose pépère. Oh, ça va rien valoir ça. Ça non plus. 5 à énergie, c'est pas mal. Hop. Eh oui, tu l'as, t'as bien entendu. Comme vous pouvez voir, alors elle monte pas très vite quand même. Alors du coup, on n'a pas été là-bas. Allez, on n'a qu'à dire que c'est en bas. Ah oui, bah, quand même, je vais vérifier. Ça se prolonge plus loin que ce que je pensais. Ouais, bah j'ai bien fait de vérifier. C'était juste ici. La cité verte. La ville perdue. Ville oubliée, voilà. Ça a l'air d'être en haut. Allez, on balance tout. De toute façon, on a un truc de maman. Si. Parfait. On va donner niveau 17. On court encore plus vite. Et on lance nos pièges encore plus vite. Il faut savoir que la vitesse d'incantation de piège dépend de deux choses. D'une part, de notre vitesse d'incantation de sort, donc sort très rapide, et aussi de notre vitesse d'attaque. Chose assez étrange pour un sort. La vitesse d'attaque, bah, globalement, ce qui va changer, c'est la rapidité de pousser, et la vitesse d'incantation, c'est le temps entre deux trappes qu'on pose. Ce qui va changer. Donc la vitesse d'incantation, on peut... En vrai, la vitesse d'incantation, c'est surtout la vitesse de sortie rapide qui joue, hein, mais c'est pour ça que la vitesse d'incantation, bon,
Pour qu'on en ait un peu plus. Hop, toujours plus de dégâts. 25 à 34. Hey. 5. Zut. Ok, bah j'ai tout fait sauf le bonhomme. Bon. Oh. Et parfait. Là, il faut faire attention, il faut essayer de poser des pièges assez tôt pour pas qu'il nous rush trop ce boss. Une fois que ceci est fait, bon. Et hop. Donc vous pouvez voir, en 20 petites minutes, pouf, on a fait une bonne partie de la. Oui, on a compris. Ça ne compte pas très vite. Oh! Tant pis pour la MF, hein, mais résistance à la foot, c'est vraiment crucial. Par contre, résistance au poison, qu'est-ce qu'il nous donne? Ah, c'est ça, 30. Résistance au poison, pour le coup, on s'en fout un peu, surtout. En vrai, je dis bêtises, c'est surtout la résistance feu normale qui nous gêne. La résistance feu, c'est pour la queue 3 à 4, qui nous permet de prendre de dégâts sans trop se poser de questions. Cauchemar à faire, c'est surtout la foudre. Et la feu. Parce que le froid, on peut tenir la résistance froid en faisant des potions de dégel. Et poison, pareil, antidote. Hein. Donc c'est surtout feu et foudre qu'on privilégie toujours. Tu t'as peut-être d'abord feu quand même, puis foudre. Du moins pour le normal, après peut-être plus foudre quand même. Ça dépend des situations, des persos, etc. Là, pendant qu'ils sont défoncés, on remplit. Alors, il n'y a que lui qui va passer à défoncer, puisqu'il reste trop au feu. Voilà, il veut s'échapper. On le finit. Heureusement que l'IA n'est pas trop développée, hein, sinon ce ne serait pas très mal. Et donc, là, on a une chance sur 4. Hein. Je ne sais pas du tout où c'est. Hop. Laissez-moi passer. Bien joué, il manque un petit peu d'armure. Ouais, j'en fais pas tant de dégâts que ça. Il résiste pas mal au feu. On est gâté en potion de mana, c'est fou.
Tant qu'à faire, si on est gâté, autant bien les utiliser. On a la chance. Ouais, bah non, ça sert à rien, ça. Hop. Invocation, c'est ça le boss. Voilà. Voilà. Gros boss. Faites attention à Invocation, parce qu'Invocation, il a... Surtout si on a zéro résistance froid, il peut nous tuer très rapidement en deux coups. Peut-être pas maintenant, parce qu'on a beaucoup de vie. Et si vous ne maxez pas à Vita, il vous tuera en deux coups. Je vois juste c'est lequel. Le triangle. Triangle... Je crois qu'il est là, le triangle. Allez, on va prier un peu cette racaille. Surtout level up, oui. Niveau 18, est-ce qu'on gagne niveau 18? Rien. Nous, on va toujours maxer uniquement ce sort. Oh! Light Belt, c'est arctique. Et ça va donner résistance froid. Ouais. Et résistance froid, c'est très très bien. Contre qui? Contre Duriel. Et voilà, on a la chance. Vraiment, bon, résistance qu'il nous faut. Du coup, avec plus potion de dégel, on sera à 75% de résistance froid contre Duriel. Ah bah on a déjà trouvé. Donc il faut toujours aller à gauche. Donc apparemment à gauche était là. Et là je pense que j'ai vraiment fait là que c'est vite. Hein. J'ai pas assez de force pour le porter, oh, la tristesse. Donc comme je vous ai dit, je vous laisse regarder les cinématiques et ensuite on va faire le plein de potions. Épique. Donc ça va être plutôt simple. Hein. Voilà. Regardez la résistance au froid. Ah, ça monte plus que... Ah, je savais même pas que ça montait aussi haut. 85% de résistance au froid. Et on avait 0 tout à l'heure. C'est vraiment... C'est n'importe quoi. On va tout mettre en vita. Et comme vous pouvez voir, en tout cas, il nous fera... Il nous fait vraiment... beaucoup moins de dégâts que normalement parce qu'on a beaucoup trop de résistance. Il faut savoir qu'une partie de ses dégâts c'est lié à son aura. Vous pouvez voir, c'est que... voilà hein. On tank sans problème. Par contre lui il tank pas du tout. Hein. Je vais me rester au cac hein, côté. Hein. Et voilà, c'était Duriel. C'était l'acte 2. On va enlever Arctic. Arctic nous resservira sûrement juste pour Duriel en cauchemar, etc. Donc j'avale toutes ces potions puisqu'on aura de meilleures potions à l'acte 3. Alors, ça je vais prendre. Ça vaut cher, le reste je peux pas. To the ends of the world. Greetings. Yes?
agreed, you... Easy peasy, l'acte 2. Hop. Donc, ah oui, c'est vrai qu'on avait un petit charal en trop, regardons. Bah non, on va vendre. On va vendre tout ça. C'est vrai qu'un jour j'ai un casque quand même. Greetings, Jaren. Hello. Et hop, acte 3. Acte 3 qui sera peut-être quand même un peu plus long que acte 2. Alors là, vraiment speedrun acte 2. Oh, ça coûte trop. Bon, ça coûte cher les potions. Hein. Je sais pas pourquoi je pose dans le coffre, hein, je devrais pas mourir. Hein. Nous sommes niveau 18. Hein. Rapide mais efficace. Ben, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, que ce soit vous follow, vous abonner, etc. pour suivre et ne pas en manquer les prochains épisodes. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et à la prochaine sur... Je suis débuté sur Diablo 2 avec notre assassin. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!